Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 27 décembre 2023. Vous m'excuserez, mais je suis encore enrhumée, je suis toujours enrhumée, donc je m'excuse pour la voix un petit peu rauque que j'ai. Alors avant de commencer, eh bien, on va répéter trois fois, je mérite de vivre dans l'abondance. Je suis la santé parfaite, je mérite de vivre dans l'abondance, je suis la santé parfaite, je mérite de vivre dans l'abondance, je suis la santé parfaite. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé, dégagez votre espace. Et c'est avec l'archange Jophiel. Débarrassez-vous du fouillis. Éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Eh bien, en voilà un message. Vos milieux de vie, pour certains d'entre vous, et de travail, eh bien, vous atteignent à plusieurs niveaux. Et le désordre peut miner, pour certains d'entre vous, votre énergie. Elle peut aussi miner votre créativité et votre prospérité. Je vous aiderai à trouver du temps et de la motivation pour éliminer les interférences dans votre environnement matériel. Et ensemble, n'est-ce pas, nous nous déferons de tout ce qui ne vous sert plus, si vous êtes d'accord, hein. Nous donnerons, recyclerons et jetterons les objets inutiles que vous n'utilisez plus, n'est-ce pas? Pour certains d'entre vous, vous emmagasinez. Et vous êtes submergés par tout ça. Nous ouvrirons, eh bien, toutes les fenêtres pour faire circuler de l'air frais. De l'air frais dans les pièces et je conduirai les énergies inférieures au loin. Vous remarquerez d'énormes améliorations dans tous les domaines de votre vie grâce à ces efforts. Donc ici, on va vous demander ce n'est pas faire un nettoyage de printemps, mais voilà, il faudrait un peu vous dépouiller de tout ce que vous n'avez plus besoin et de ce que vous n'utilisez pas. Travaillez avec l'archange Jophiel. Alors, ce bel archange Jophiel, l'aura de Jophiel, et d'un rose, mais d'un rose profond, témoignant de sa belle nature, de sa nature aimante et bienveillante. Des cristaux rose foncé, comme la rubélite rose, sont associés à l'énergie de Jophiel. Quand vous vous lancerez dans la décoration ou le ménage du printemps, faites appel à Jophiel pour vous aider. Il vous donnera l'impression, eh bien, d'avoir votre propre décorateur d'intérieur spirituel et consultant en Feng Shui. Waouh, merci Ah, ce bel archange Jophiel, quel beau message, n'est-ce pas? Je termine avec la petite carte, mes petites prières hein, pour guérir avec l'aide des anges. Et aujourd'hui, j'ai pigé douleur. Alors, encore une fois, ça parlera à certains et pas à d'autres.
Pour certains d'entre vous, que vous raconte votre douleur? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? De quoi vous sentez-vous capable? Et que révèle l'endroit de votre corps qui gémit et qui pleure? Est-ce que vous pouvez accueillir votre douleur comme un symptôme et non comme une fatalité? Est-ce que vous pouvez le faire, ça? Est-ce que vous pouvez pactiser avec cette douleur? La reconnaître? Voir l'honorer? Pouvez-vous en faire une alliée pour vous en libérer? Si la douleur s'arrêtait, que seriez-vous? Qui seriez-vous? Et que feriez-vous? Acceptez sa douleur pour la laisser partir. Si maintenant on est en guerre avec cette douleur, on est négatif. Par contre, si on l'accueille et qu'on se dit, cette douleur, elle ne m'appartient pas. Je vais faire en sorte qu'elle ne soit plus dans mon corps. Ce n'est pas votre douleur, c'est la douleur. Alors il y a une belle prière, n'est-ce pas? Mes anges, merci d'entendre ma douleur psychique et physique et de la recouvrir d'un baume pour l'anesthésier jusqu'à la faire disparaître. La douleur n'est qu'une projection d'un mal-être qui s'est ancré dans la matière. Eh bien, je décide aujourd'hui de ne plus avoir mal. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse tout fort. Et je vous dis à demain.